Bonjour. Recette d'aujourd'hui, le pain d'orge pomme de terre et des herbes épicées. N'oubliez pas de vous abonner, merci. Pour préparer cette recette, vous aurez besoin 4 pommes de terre et une cuillère de levure boulangère et une cuillère du sucre. Une cuillère des herbes et une cuillère de nigelle. Une cuillère à café du sel, de l'eau et 500 g de semoule d'orge fine. Préparation. Mettre les pommes de terre à cuire dans l'eau salée. Lorsque les pommes de terre cuites, épluchées et rajoutez 50 ml du lait et 2 cuillères à soupe d'huile. Réduire en purée. Mettre la levure boulangère et le sucre dans la cuvette de la machine. Et 50 ml d'eau. Laissez monter. Puis rajoutez 500 g de semoule fine d'orge. Et rajoutez le mélanger des épices et les graines de nigelle. Rajoutez la purée de pommes de terre et une cuillère à soupe d'oignons grillés et une cuillère à soupe d'huile. N'oubliez pas de vous abonner, merci. Rajoutez de l'eau peu à peu jusqu'à obtenir une pâte homogène. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ma recette, merci. Laissez reposer, une fois bien reposée, malaxer, puis la deviser en boule. Deux cuissons différentes, une sur une poêle sur feu moyen, les deux autres cuissons au four à 180 degrés.
à la sortie du four badigeonné de d'huile d'olive. Bonne dégustation. Un j'aime et petit commentaire, ça me ferait très grand plaisir. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner, merci.